Alors là, nous sommes dans le nouvel avion de Britair, le CRJ-1000, un avion de 100 places. Cet avion vient juste de nous être livré. Le premier a été livré le 23 décembre et nous avons actuellement 4 CRJ qui ont été livrés et nous allons en recevoir 14, voire plus, pour remplacer les Fokker 100 vieillissants. Et à l'automne, Britair sera une compagnie monoflotte. On n'aura que des CRJ, de 50 à 100 places. Comparé aux autres CRJ de la flotte, la cabine a été entièrement retravaillée. Donc elle est beaucoup plus lumineuse. L'éclairage a été revu, donc ce qui fait que c'est un avion qui est beaucoup plus agréable pour nos passagers. En termes de rayon d'action, on peut aller à peu près jusqu'à 2500 km avec les réserves. Le plus court, là, c'est celui qu'on va faire sur Strasbourg, qui fait 45 minutes. Jusqu'à des vols de 1h30 à 2h. Quoi. Chez Britair, c'est du court courrier. Quoi. On a pas mal de destinations départ de Lyon. On va sur Rome, on va sur Rennes, sur Brest, sur Paris, Prague, l'Angleterre avec Birmingham. C'est un avion qui se pilote comme les autres CRJ. Il n'y a pas de différence notoire. Il y a quelques petites modifications comme l'écran qui est ici ou au lieu d'avoir des écrans cathodiques, là ce sont des écrans LCD, mais il y a très peu de modifications par rapport aux autres CRJ. Ce qui fait que tous les pilotes qui sont qualifiés CRJ peuvent voler sur le CRJ 100, sur le CRJ 700, sur le 900, sur le 1000. Quoi.